Le site de Bourg-Saint-Maurice est un site qui existe depuis très longtemps, puisque dès 1969, on avait des championnats du monde. Et régulièrement, c'est un site qui est utilisé pour des championnats de France parce que c'est un parcours de référence par rapport aux jeunes athlètes qui veulent accéder à un niveau supérieur. Alors en fait, le débit est essentiellement calibré un peu en fonction des effets de mouvement d'eau que l'on va avoir. C'est-à-dire que ici, déjà, d'une part, de par le profil naturel, on a une pente qui est relativement importante. Et quand on est sur des débits de course, comme ici, demandé à 25 mètres cubes, on peut obtenir des mouvements d'eau, des figures, des réalisations qui sont tout à fait adaptées au niveau des athlètes que l'on a là et qui permet de proposer des parcours de très bonne qualité pour la préparation de ces jeunes athlètes. Alors j'ai commencé le canoë à l'âge de 8 ans en Ardèche et puis petit à petit je me suis mis à faire de la compétition. Donc en passant par les championnats d'Europe et plus tard par l'équipe de France et voilà. Alors les parcours changent en fonction des qualifications et des phases de finale. Et là les parcours que sont en train de réaliser les cadets et les juniors sont pas les mêmes que les parcours qu'on va réaliser pour la finale nationale 1, donc ce week-end. Et voilà, on espère que ça va continuer comme ça pour eux. En attendant, ouais, le parcours il donne du fil à retordre et j'espère que les parcours seront en tout cas autant agréables que celui-là ce week-end. Eh ben, écoutez, c'est les vacances, on est en famille à Tignes et on a appris donc la présence du championnat de France. Donc on est passé par curiosité voir un petit peu ce qui se passait et on est ravis du spectacle. Ben moi je suis là parce que je fais la course samedi, la finale N1, qui est la finale de la Coupe de France, du circuit Coupe de France sur l'année, en fait qui se déroule sur l'année, c'est la finale samedi. Et là ce qu'on voit c'est les championnats de France cadets juniors et je suis venu encourager mes copains qui courent. C'est l'événement, le championnat de France, qui intrigue et intéresse tout sportif que je suis. On est de passage en vacances à Sainte-Foy-Tarentaise et on a vu les panneaux. Et il y a une dizaine d'années, on était déjà venu, on a eu la chance de venir l'été pour les championnats du monde qui avaient eu lieu à Bourg-Saint-Maurice et on voulait faire découvrir à nos enfants la discipline. Ça fait plusieurs années qu'on vient en vacances en Savoie et à chaque fois qu'il y a une compétition de kayak, on ne manque pas de venir voir ce spectacle impressionnant.